Au début, on m'avait dit c'est une interview sur Antenne Réunion. Bon, déjà, c'est pour Antenne Réunion, c'est pas la Réunion Première, ils viennent jamais, de toute façon. Donc, je voyais des vrais journalistes, comme la journaliste de Réunion Première qui m'avait interviewé. Et j'ai vous. Le kilt sur les pieds, c'est évolu ? Ah, alors il paraît que, j'ai ouï dire, parce qu'il nous le serine, c'est qu'il aurait maigri et que donc le kilt ne tient pas parce qu'il a maigri. Mais j'ai maigri, les scratchs sont pas au même endroit qu'avant. Oui. Je peux le prouver. Le fait d'avoir ces casques, ça nous a permis de défendre uniquement notre artistique. Mmh. Pour effectivement qu'on évite de parler de nous, de notre histoire, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut défendre. Mmh. Et nous, on voulait vraiment qu'on soit jugé sur nos performances et non pas sur les à côté. Nous, c'était notre proposition de se dire on n'a pas envie de se dévoiler, de parler de nous. Enfin, c'est pas l'idée, voilà. Nous, on avait vraiment envie d'arriver. Non, pas du tout, tu parles pas de toi. Avec notre. Tu as une très bonne mémoire. Non, c'est pas ça. T'as des trous de mémoire, mais t'arrives à. Voilà. J'ai jamais eu de souffleur officiel, disons. On a des souffleurs comme. Voilà, il y a des souffleurs. Tu étais venu à La Réunion pour un projet européen autour de Cyrano de Bergerac avec des lycéens. Ouais, mais figure-toi que c'était pas moi. Ah, c'était. Oh. Ça, on la garde. Hein. On garde. Qu'est-ce que vous avez à nous vendre? on a à vous vendre des gens peu fréquentables. Avant tout un produit, Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud et qui a donc inventé des techniques de manipulation des masses sans précédent. Même qu'on parle en mal de lui, parce qu'en bien, en mal, on parle toujours du produit, quoi, voilà. Du coup, vous maîtrisez toutes les techniques. Enfin, toi, tu les as étudiées, tu as écrit dessus, voilà. Est-ce que tu les utilises ? Ben non, justement, là, je viens de donner un livre à quelqu'un parce que le livre était un peu écorné. Tenez, les gars, pour vous détendre, tripez bien. Les drogues de base, j'aime pas l'idée. Franchement, je plane assez sans en rajouter une couche. Ça, il y a quand même aussi l'amour de la littérature, la déconnade. J'ai envie d'aller à la ronda pour draguer les filles. Allez, vas-y. Je vais à la ronda. Allez. Draguer des oreilles. Voilà. Merci, Tati. De rien. Allez, va t'éclater là. La rondelle, à la ronda. Oui, si tu veux, la ronda. Voilà, c'est bon. Comment je peux oser vous raconter une histoire si j'étais, je ne l'ai pas vraiment vécue. Mmh. On se pratique depuis un certain temps. Bon, alors, ça reste entre nous, mais on est un petit peu à la scène comme à la ville, ensemble à la scène comme à la ville. Donc c'est vrai qu'on se connaît bien. Et comme c'est Alain qui écrit, et moi qui corrige les fautes, parce qu'il y a quand même encore des problèmes d'accord. Enfin bon, bref, ça, on en parlera plus tard. Je dois subir et au quotidien, voilà. Le participe passé, quand il est placé avant, tu ne sais jamais s'il faut accorder ou pas. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Une légende. C'est pareil. C'est une légende urbaine. Voilà. On va remercier nos sponsors, c'est-à-dire Zéop. Zéop. Le Fonds Réunion des Talents. Fonds Réunion des Talents. L'Europe avec le programme Leader. Leader, programme, l'Europe. Public et de compagnies qui viennent de Belgique. Qu'est-ce que tu penses de La Réunion?
Het is superleuk om hier te zijn. Een heel mooie plek. Heel leuke mensen, heel lieve mensen. En, Oh là là, oh là là, oh, attends, c'était incroyable. Attends, incroyable. Mais le Dossard 512, là, ça vient d'où? Mais c'est pas du tout le Dossard 512. Que... Mais en fait, vous n'avez rien vu. En fait, vous venez, mais non, vous, je te dis, je n'ai pas vu ton spectacle. Mais vous êtes de BFM ou quoi, pour être aussi peu renseigné? Bah lui, il vient de BFM. Non, mais tu fous ma gueule. Tu as déjà fait le coup avec le souffleur là, l'autre jour, là, à te gourer de spectacle. La crue, c'était le siffleur. La crue, c'était le siffleur, c'est ça? Oui. Comment vous arrivez à enchaîner deux spectacles en dégageant une telle énergie sur scène, quoi? Ils te diront pas leur secret. Il y a une potion magique ou quelque chose? Non, il y a la cocaïne. Il y a beaucoup d'efforts. C'est la fin du festival. Tous les comédiens, les techniciens, les bénévoles sont réunis. Allons-y. C'est un sacré festival. Comédie. Merci. Non, mais vous, payez 15 000 balles pour juste mettre un portable qui sort de caméra? Oui, non. Thank you.